filles de Paname. J'ai testé pour vous. Spectacle, ciné, concert, expo, resto. Alors là, je sors du théâtre de l'œuvre. Je viens d'aller voir Qui a peur de Virginia Woolf d'Edouard Albee. Et c'était vraiment un régal. Mise en scène d'Alain François. Et je dois dire que c'était un jeu de massacre, mais comme on les aime. C'est-à-dire que une mise en scène très épurée, un huis clos. On arrive, on s'attend pas du tout à ça. On se doute pas que ça va être à ce point, je veux pas trop en dire, mais voilà, c'est vraiment, ça se passe entre quatre personnages. On n'y va pas, pour les décors, pour les costumes, tout ça, on oublie. C'est épuré. On y va pour le jeu des comédiens, qui est sensationnel. Les quatre sont excellentissimes, et on va boire du petit lait, parce qu'ils vont s'envoyer des répliques cinglantes. On a l'impression qu'on est tombé dans un asile de fous. En tout cas, on passe 2 heures qui passent comme une demi-heure, tellement on est pris par cette folie avec eux. Dans ce langage moderne, c'est vraiment une pièce donc contemporaine qui est vraiment accessible à tous. Et vous allez passer vraiment un très bon moment avec ces comédiens, que je ne vais pas tout citer. Vous allez voir sur le site de qui il s'agit, mais qui sont des très bons comédiens de théâtre. Et qui ont une belle partition à défendre et qui le font brillamment. Un coup de cœur que cette pièce. Allez-y vite.